Chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube officielle. Je suis Alexandre Souderive et nous sommes dans l'un des locaux du BTOI Sauvelmarche. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des travaux qui sont en cours lundi 4 septembre 2023. Nous voyons les travaux de finition qui sont effectués avec les murs et le sol. Le carrelage a été posé et les ouvriers vont bientôt poser le chemin. Tous les équipements électriques nécessaires ont été installés. Les murs ont déjà été rebouchés et dans un proche avenir, il sera possible de commencer les travaux de peinture. Allons plus loin. Dans la plupart des couloirs, le carrelage a également déjà été posé. Là où ce n'est pas encore le cas, les travaux seront bientôt effectués. À présent, allons au bâtiment administratif et technique. Dans cette partie du BTOI, nous voyons que la plupart des murs ont déjà été préparés pour la peinture. Le carrelage a également été posé et je tiens à noter que les ouvriers sont à présent engagés dans l'installation d'un cadre spécial sur lequel les structures de clôture en verre seront installées à l'avenir. Cependant, nous pouvons voir des éléments du plafond déjà en peint. Il s'agit des poutres, du coffrage non amovible et des éléments de ventilation. Maintenant, vous pouvez voir notre future salle d'exposition et la couleur qui a été choisie pour la peinture de ces locaux. D'autres plafonds, notamment ceux dans les couloirs menant à l'entrée du bâtiment, ont également déjà été peints en gris. Si nous regardons toute cette pièce, nous verrons que le câblage des réseaux électriques sera bientôt terminé. On voit que la plupart des câbles pour la salle de contrôle ont été tirés. Le carrelage a également été posé dans cette zone-là. Bientôt, les ouvriers poseront le carrelage dans la pièce principale et nous serons en mesure de procéder à l'installation des cloisons en verre. Outre le plafond, les ouvriers s'occupent également de la peinture des réseaux de viabilisation de notre bâtiment, là où cela est nécessaire. Un autre point important, c'est que tout le matériel de peinture est résistant au feu et appliqué avec des exigences strictes. Ici, vous pouvez voir que l'installation de systèmes de viabilisation, tels que la tuyauterie et le système d'extinction d'incendie de type Splinker, est en cours. Tout cela forme des éléments très intéressants de l'intérieur. Très souvent, dans les commentaires, on nous demande pourquoi avons-nous besoin de plafonds aussi hauts. Il s'avère que, compte tenu de tous les réseaux de viabilisation qui doivent obligatoirement être installés dans tout bâtiment ou installation industrielle, de tels plafonds sont absolument nécessaires. Tout d'abord, pour pouvoir installer tous les réseaux nécessaires, il s'agit du système d'extension d'incendie, du système d'approvisionnement en eau chaude et froide, ainsi que des câbles électriques. Nous voyons des supports qui ont été installés pour la télémétrie, les réseaux à courant faible, notamment Internet, la téléphonie générale, la téléphonie interne et bien plus encore. Par conséquent, tout ce qui se passe maintenant est un bon signe que nous nous dirigeons vers l'achèvement des travaux de viabilisation. Et si vous regardez dans cette direction-là, vous pourrez voir l'installation active du système de ventilation. Cependant, malgré le fait que les travaux sont effectués rapidement, les matériels eux-mêmes, c'est-à-dire les éléments de ventilation, continuent d'être livrés et entreposés en occupant déjà une assez grande surface de notre atelier. Cela signifie que les systèmes de climatisation que nous voyons dehors représentent un système global assez important et qu'il faudra travailler dessus.
L'installation du secteur chauffage individuel se poursuit. Nous pouvons déjà comparer son aspect entre le début des travaux et ce à quoi il ressemble maintenant. Nous voyons une très bonne fixation des tuyaux et des soudures, c'est-à-dire que tout est très sérieux. Dans un proche avenir, nous nous occuperons de l'installation du traitement de l'eau. À présent, nous sommes arrivés à l'une des entrées à côté du bureau général de la construction. En passant, des travaux actifs y sont en cours. Les constructeurs discutent de leur façon de continuer à faire des affaires. Maintenant, regardons ce qui se passe dehors sur notre site. Un travail actif est en cours pour former une fosse afin de raccorder les égouts pluviaux de Sauvelmash au réseau central de la ZES. À ce jour, la fosse a déjà été creusée sur notre chantier. Dans les prochains jours, nous attendons l'arrivée d'un engin spécial, la soi-disant seringue, qui va forer et piquer le sol de l'autre côté de la route. De ce côté-là, des blocs de béton ont également été posés, la zone a été clôturée, une fosse a été creusée. Cela veut dire que tout se prépare pour la suite de ces travaux-là. Maintenant, nous sortons dans la rue et voilà, nous sommes juste à côté de la ligne principale de chauffage. Ce sont des coffres dans lesquels les systèmes de viabilisation nécessaires ont été installés. Récemment, nous avons démontré que tout était ouvert ici, tous les tuyaux étaient presque suspendus dans les airs. Maintenant, nous voyons du sable, mais surtout, nous voyons une excavatrice qui effectue le remblayage en contournant les puits des égouts pluviaux et d'autres communications qui se croisent sur la route. Il reste à effectuer encore un peu de remblayage avec du sable sur tout ce territoire. Les travaux sont effectués à proximité des compresseurs et des systèmes de climatisation. Cela suggère que dans un proche avenir, nos ouvriers devront mettre les systèmes climatiques à leur place, c'est-à-dire sur la plateforme qui se trouve derrière eux, et relier ces compresseurs à l'intérieur du bâtiment. Par conséquent, l'ampleur des travaux est grande. J'espère vraiment que dans un proche avenir, tout ce terrain sera nivelé jusqu'à la hauteur requise et qu'il y aura l'asphalte sur lequel il sera possible de se déplacer librement. Sur le côté gauche du bâtiment, nous voyons également un travail intéressant. C'est une perceuse qui fore le sol. À noter que c'est un travail intéressant et significatif, car la clôture temporaire sur le côté gauche a été complètement démantelée. Et bientôt, la clôture permanente, ou plutôt une structure de clôture, qui se tiendra pendant de nombreuses années, sera déjà installée ici. Félicitations! À la fin de cette vidéo, je ne peux dire qu'une chose. Le rythme de travaux aussi accéléré que vous pouvez maintenant voir sur le chantier n'est devenu possible que grâce à vous, à nos chers spectateurs, participants du projet, investisseurs et partenaires. Je vous rappelle que les délais de construction et la vitesse d'exécution des travaux à ce jour ne dépendent que du taux de financement, car l'équipe de Sauvelmash a déjà effectué toutes les autres tâches, a établi tous les processus de travail et nous nous dirigeons avec confiance vers la mise en œuvre de notre projet. Par conséquent, avec un effort commun, je pense que nous allons certainement faire face à toutes les difficultés et que nous allons réussir. Merci pour votre participation et pour votre attention. À bientôt.